bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la petite présentation, petite, qui je pense va pas être si petite que ça. Voici ce que j'ai reçu au mois d'octobre en ATC et je pense des cartes dedans aussi. Parce que j'ai vu qu'il y avait Céline de Pointe-d'Oise. Et Céline de Pointe-d'Oise, elle l'a déjà dit, elle ne sait pas faire envoyer qu'une ATC. Donc voilà, je rigole bien sûr. Donc voilà, allez, on va commencer par la petite carte, l'ATC de Aurore, hop, Aurore de 3. C'est comme Hélène, mais en Aurore. Avec un, on va commencer par le, je me cache, hein, par le petit tampon ATC, alors je crois qu'il est en rupture. Ah, j'avais dit, hein, fallait se dépêcher. Merci en tout cas. La petite ATC de Aurore, donc une sur une, Halloween 2018. Alors c'est Gummy 10 000, 7 000, je ne sais plus, je ne sais pas. Il y a marqué 10 000 ou 7 000, je ne sais pas. Voilà, de toute façon je vais vous mettre en gros plan le, directement l'ATC, elle est magnifique. Un petit fond jaune avec un petit masking tape Halloween, avec un petit truc Halloween. Elle est superbe ton ATC, merci Aurore. Il y a un petit mot avec que je lirai, je t'envoie un... Non, elle est assez simple, mais je n'ai pas grand chose sur Halloween. Elle est assez simple, mais elle fait l'affaire. Voilà, merci en tout cas pour ton ATC. Na, Véronique, parce que j'allais dire ton nom de famille. Véronique du 31. Alors, merci pour, juste un petit merci pour ta bonne humeur, communicative ne change rien, merci, c'est une première. Alors, c'est une première, bah, elles sont superbes. Ah, donc j'ai les trois. Hop, je vais vous mettre les trois en même temps, en photo. Bah, elles sont superbes. Donc, petite ATC. Oui, je dis petite parce que j'ai laissé un petit mot affectif que je dis en fait. Donc sur une, elle a utilisé le pochoir alpha fond. Bah oui, il faut bien... Hein, quand il y a des beaux tampons, faut les dire. Alors que les autres sont beaux, hein, mais il va pas le dire. Ah bah ouais, autopub. Hein. En tout cas, Happy Halloween, elles sont superbes. Les petites chauves-souris sont super sympas. Et après les autres, ça doit être des tampons, mais ils sont super sympas aussi. Merci pour ton, pour tes 3 ATC, Véro. Véro, je vais, c'est signé Véro, je vais dire Véro. Voilà, merci. Alors hop, je vais mettre les enveloppes quelque part et les ATC de l'autre parce que, bien sûr, si vous les avez en gros plan, c'est que automatiquement il faut que je les prenne en photo. Jean-Philippe, Jean-Philippe, alors le Jack pour Monsieur Jack de, pour Halloween, donc. Ah, je me suis spoil celle-ci. ATC Halloween 2018, 2 sur 2, Monsieur Jack. JPL. Merci, elle est superbe. Ta petite ATC Jack. Alors, en octobre, c'était Octobre Rose. Et franchement, c'est super sympa que tu fasses cette petite ATC avec le nœud Octobre Rose. Donc, hors série Octobre Rose 2018, bah, elle est superbe. Merci. Et Halloween 2 sur 2, donc avec un fond superbement travaillé, quelques petites découpes, et ça, oui, je fais ça, mais ça sert à rien. Romain, fais pas ça, tu le mets en gros plan. Bah, elle est superbe celle-ci aussi. Parfois, comme je l'ai dit, hein, il faut rien, il faut juste 2-3 petites découpes, et voilà, un bon fond bien travaillé, c'est superbe. Merci Jean-Philippe, on continue avec Léa Petit Dream, Laetitia, hop. Avec une carte faite avec bah, un pochoir de chez CDM Studio, c'est sûr. Après, le reste sont des découpes. Ah, et il y a aussi le tampon. Tampon de chez CDM Studio. Voilà. Et les petites ATC. Ah, j'aime trop la petite tête. La petite tête. Voilà, je ne vais pas trouver le mot. Mexicaine, voilà. Happy Halloween, donc ça c'est un de mes tampons. Et Douceur d'automne, donc une carte pour l'automne aussi. Merci. Tadam. Merci pour tes 2 cartes. Ce tampon-là, cercueil tombe, c'était quoi? C'était
La compagnie des elfes, je crois. Bah oui, parce que j'étais d'été dans la compagnie des elfes et je crois que c'était mon tampon favori pour Halloween. Voilà. En tout cas, merci. Hop. J'ai Aurore de la chaîne d'or et d'argent. De Aurore d'or et d'argent. Je ne sais plus. Ouais, je sais, je me trompe à chaque fois. Il n'y a pas carrément le truc. Les créas d'or et d'argent. Voilà. J'avais oublié les créas. Voilà. Petite carte Halloween. Ils sont super sympas, ces petits fantômes. Hein. En plus, tu les as, je pense, colorisés avec... Mais en tout cas, super. Hop, tag d'argent. Pourquoi je dis tag d'argent? Tag, une sur une. Avec marqué scrap. Super sympa. Bon, je ne vais pas juger en tant qu'ancien graffeur. Je ne vais pas juger le lettrage. Ça, voilà. Ça sent le début du graffiti. Je rigole, bien sûr. Elle est superbe, superbe ta petite ATC scrap et la petite ATC Halloween qui est rentrée dedans. Hop, ATC 5 sur 7 mini fantômes, les créateurs et d'argent sur YouTube. Hein, n'hésitez pas à aller voir. Me voici pour l'ATC. Ça faisait longtemps, me manque de temps comme tout le monde. Voici la petite ATC. Ah, t'es quoi? J'ai vu que t'as mis plein de blanco. Bah, je vais tout gratter pour voir ce que t'as écrit en dessous. Parce que je suis un mec relou. Voilà. Merci Aurore de la chaîne Créa d'or et d'argent. Et je l'ai dit 4 ou 5 fois hein, en très peu de temps. Nelly du 33. Petite ATC. Ah, arrête de dire petite. ATC. Voilà. Les créas de Lily sur YouTube. ATC Halloween 2 sur 2. Le 11 octobre 2018. Magnifique. Et je vous le dis, parfois il faut rien. Il faut un petit tampon. Ouais, je sais, parfois, oui, rien, c'est pas... Voilà. Un tampon, une découpe, ça fait le taf, comme dirait certaines personnes. Ça fait le taf. Merci, Nelly, pour ton ATC. On enchaîne avec Daisy de Saint-Jorioise. Saint-Jorioise du 74. Alors, une petite TC, une petite carte... Carte automnale. J'adore votre famille et j'adore les recettes de Corinne qui sont des recettes simples, rapides et pas chères. Merci Corinne. C'est vrai qu'elle adore dire ça. C'est rapide et pas cher. Merci pour elle. Et donc ATC Halloween 2018. Donc faite avec le tampon. Donc là, il y a en fait à l'origine, c'est pas un pochoir, c'est un mot que des mots. Et un tampon de chez CDZM Studio. Hop. Et la deuxième, c'est automne avec des petites découpes de feuilles et un petit stickers serre avec marqué c'est l'automne. C'est parfait. Merci Daisy. Ouais, je vais assez vite parce qu'en fait j'ai l'impression que ça descend pas. Et je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Daniel, hop. Daniel du 69 de Saint-Génis, les Orives. Olière. ATC, donc avec un petit fond rouge. Je vous ai dit, des petites découpes, ça fait Halloween. Voilà, elle est toute mimi ton ATC. Tu t'es même amusé à dessiner une petite toile d'araignée, c'est superbe. Merci. C'était Daniel. Le mec, il se trompe. Émilie D, alias, je crois, Andro, si je ne m'abuse. ATC. Ah ! Carte. Je vous fais plein de gros bisous. Merci. Nous aussi, on te fait plein de gros bisous. Donc, carte Halloween, Happy Halloween. Non, c'est Happy Halloween. Qu'un petit chat en découpe, un petit truc. Et j'ai un truc comme ça, c'est normal. Alors, dis-moi, ça doit être un nouveau truc. Artist Trading Coin. D'accord, donc il y a les ATC,
Et il y a aussi les artistes trading coins. Je ne connaissais pas. Donc, ce sont des petites... des petits coins, des petites pièces, donc d'une certaine taille, je pense, qu'on doit s'échanger comme les ATC. Ben, je ne connaissais pas. Merci pour ton coin. Coin. Un coin. Voilà, donc à l'origine, on parle d'ATC. Hein. ATC, donc là, c'est quasiment le même que la grosse carte. Donc avec le petit chat, la petite lune, le petit fond orange avec distressé. Donc Happy Halloween, Andro, donc vous avez bien raison, genre le mec qui connaît ses abonnés, tous ses abonnés, le mec, il a le melon. 3 sur 3, merci pour ton ATC, et la deuxième c'est une automne, feuille d'automne, 2 sur 4, donc avec une petite couronne, avec une grosse fleur, feuille, et écrit automne. Merci pour tes cartes, ta carte, tes ATC. On passe à Elodie V du 95. Alors elle a déjà été ouverte parce qu'on a vu que tu nous avais envoyé ça. Merci pour ça. Voilà. Merci. Et l'ATC Halloween 2018, Elodie. Alors, ça ressemble à certains tampons que j'ai utilisés l'année dernière, 2 ans, 3 ans. Ces petits tampons, alors, je ne vais pas dire de bêtises, la marque c'est quoi? Je ne sais plus, mais je les ai ces tampons, ils sont magnifiques. Il y a le Halloween qui est beau, la feuille de... Ah, je crois que l'année prochaine, je vais faire ça, une feuille de... Une toile d'araignée, hein. Le mec, bah attends, tout le monde le fait, hein, je le fais, hein. Voilà, allez, merci Elodie pour ton ATC, bien sûr vous l'avez vu en grand, hein, parce que je fais un peu le fou, mais on reconnaîtra surtout les petites étiquettes faites avec les tampons de chez CDZM Studio, bien sûr. Gaël, Halloween, ATC Halloween, Facebook, c'est la Gazette Créative, oh, petit cercueil qui s'ouvre avec un petit zombie qui fait un tchou. Ah, elle est magnifique. Je crois que tu m'avais fait la même la dernière fois avec le cartable, je crois, si je me rappelle bien. Et donc la deuxième, c'est une sorcière qui s'envole avec une petite lune. Et donc une sur une, et l'autre c'est super. Alors je sais pas si c'est la même série, mais les deux se ressemblent pas, mais parfois il y a des séries qui se ressemblent pas. Mais en tout cas, elles sont super belles. Merci Gaël. Émilie M de Saint-Sigoulaine. C'est comme Sigoulaine Royal, mais c'est Sigoulaine Royal, quoi. Elle est pas ministre, elle est ministre. Bref. Petite carte. Alors, tamponnage, ouais, en fait parfois je pète tellement un cap dans ma tête que je me dis allez, reprends ton sérieux. Petite carte donc avec du tamponnage et du coloriage dessus, toute mimi ces tampons, voilà. Et donc deux petites ATC, donc 2 sur 3 et 3 sur 3. Alors sur Facebook c'est Milly Lafay, voilà, faites le 11-10-2018, donc peut-être que je la regarde aussi, ça serait pas mal. Alors, petit tamponnage, donc le fond orange, jaune, violet, c'est typique Halloween, hein, voilà. Ben, c'est pas un critique, hein, j'ai fait exactement pareil. C'est que je trouve que c'est les couleurs qui se marient le plus avec Halloween. Et après, c'est du tamponnage. Merci, elles sont parfaites. Pour tes ATC, merci pour tes ATC, voilà, on va dire dans l'ordre. Émilie, voilà, on passe à Marie-France. Marie-France, c'est de Martigues. Hop. Hop, tout ça, tout part, tout s'en va. Ah bah, il faut prendre de l'accent, hein, vous. Et on se moque pas, hein. C'est Martigues, c'est le sud, tu parles comme ça. Hein. Le mec, il abuse trop. Donc, une grande carte, en fait, je dis ça une grande carte, mais c'est une petite carte, mais pliée en deux. Donc faite avec le pochoir. Est-ce que ça serait pas un ancien pochoir ça?
parce que j'avais deux rouages et ça m'a l'air d'être le deuxième rouage celui-ci qu'il faudrait que je remette en ligne. 3 ATC, fond, carte, jelly plate. Jelly plate. Donc, ouais, c'était pour la jelly plate, mais avec mon pochoir. Mais, voilà, alors, ATC Halloween, 3 sur 5, faite avec le petit pochoir en fond de Spider, toile d'araignée de chez C2M Studio. Voilà, et des petites découpes. Alors, je sais pas si c'est du tamponnage ou si c'est du... La découpe déjà faite, mais elles sont super sympas. On reconnaîtra le Halloween aussi, hein, pochoir de chez C2M Studio. Voilà. Automne, le mec, comment il s'enflamme, hein. Ouais, bah ouais, en même temps, tout le monde me met des pouces rouges. Bah, au moins, tu mets un pouce rouge pour quelque chose. Hein. Voilà, parce que j'ai une grosse tête. Voilà, cueillir des champignons automne avec un petit dice cut super sympatoche. Donc, ouais, parce que tu as mis un peu l'écriture là. Reflet d'automne, 2 sur 5. Donc, j'ai dit un dice cut renard, voilà, parce que j'avais pas fini ma phrase. Et la petite ATC School, donc 4 sur 5, rentrée 2018. Vaut mieux tard que jamais. Non, mais elle est super, super belle, j'ai oublié de dire, super belle tes ATC. Merci, Mary France. Non. Oh putain Kong. Oh merci Marie France. Alors là je suis obligé de d'arracher la truc. Christelle du train 3. Une petite ATC automne. Automnale. Une sur une. Donc alors. Je pense que t'as dû ça doit être déjà fait. Donc un petit cadre avec une. On va dire un dessin avec une pomme, mais le dessus de pomme, on dirait du caramel. Et en fait, je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si c'était déjà comme ça, mais ça fait trop stylé. Avec une petite découpe, je sais pas comment dire, ouais, aussi une petite découpe avec écrit automne. Magnifique ton ATC, c'était Christelle, merci. Céline de Pointe-Noire, ça va être l'avant-dernière, je vous préviens. Au cas où si t'as pas vu ton ATC, c'est que je ne l'ai pas reçu. Céline de Pointe-Noire. Alors, je fais ça et c'est exactement les mêmes couleurs qui sont derrière, donc c'est trop stylé. J'en ai eu plusieurs des comme ça. Automne, donc une grosse carte avec écrit automne. La citrouille est super stylée. Bon, après, c'est du déjà fait, hein, c'est de l'imprimer, mais je trouve ça super stylé. Et donc ton ATC 2 sur 1 sur 2, octobre 2018, Céline de Pointe-Noire. Non, parce que maintenant elle le marque. Je l'ai tellement dit qu'en fait maintenant elle marque Céline de Pointe-Noire. Donc je crois, hein, je ne suis pas sûr, je crois qu'il y a un pochoir de chez quelqu'un que je connais qui fait pas mal de pochoirs. Mais j'ai dit ça, moi je ne connais pas. Voilà, avec un petit badge de. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il est super sympa. Donc je ne ferai pas de pub pour d'autres boutiques, mais je le trouve super sympa ce pochoir. Et le Halloween aussi, le tampon Halloween comme ça, il est super stylé. Merci Céline de Pointe-Noire. Et on finit par la Belgique de Serfontaine. Il n'y a pas ton prénom. Donc, hop. Ah, mais c'est des ATC d'un garçon! D'un garçon qui est venu manger à la maison! Et ça arrive, ça arrive. C'est Jordan, le chéri de Bonheur Partagé Scrap, donc la chaîne YouTube. Et donc, c'est son chéri qui a fait des ATC. Merci, Jordan, pour tes ATC. En plus, je pense que c'était première. Donc, une sur une. Donc une petite carte automnale et qu'il a fait directement sur du papier liège. Donc l'idée est super sympa. À reprendre. J'ai pas de liège chez moi, mais à reprendre. Donc merci Jordan. Donc c'est ses premières ATC. Donc petit deuxième. Alors c'est Halloween. Donc Halloween une sur une. Des bonbons ou la mort. Alors le mec il est direct. Hein. C'est pas des bonbons ou un sort. C'est des bonbons ou la mort. Il n'y a pas le choix. C'est tu meurs ou tu donnes des bonbons.
Donc, si t'as pas de bonbons, tu meurs direct. Film d'horreur, tac, tac. Et... Donc, super sympa. Petite citrouille, peut-être citrouille. Petite tête de mort dessinée à la main avec une petite pelle, tout ça. Donc, d'où la mort. Hein. Tu creuses ta tombe, tout ça. Merci. Et donc, ah, là, donc là, c'était Jordan. Et là, j'ai Mélanie, bonheur partagé, scrap. Donc, avec le tampon que j'ai parlé tout à l'heure, hein, que j'ai eu aussi, hein, que c'est exactement le même avec la toile d'araignée. Et sauf que l'araignée, elle l'a grossi, le frisson était dans le même tampon aussi. Donc, merci Mélanie pour ton ATC, et merci pour Jordan, et merci pour tout le monde, hein, bien sûr. Voilà, j'espère que cette présentation d'ATC vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous l'avez envoyée, si vous ne l'avez pas reçue, bah, si je ne l'ai pas reçue, parce que c'est possible. Parfois que la poste mette un peu plus de temps que d'autres, voilà, ça m'arrive aussi sur mes envois, voilà. J'espère que donc que cette page, le mec... Hein, formaté. J'espère que cette page vous aura plu. Hein, t'sais. Que cette présentation d'ATC vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.